Winoma est une menteuse. Ça doit chauffer. Vraiment, abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de nos analyses. Et si c'est déjà fait, on commence. Cette vidéo que je m'apprête à vous faire est une vidéo qui doit faire mal. C'est une vidéo qui doit révéler des choses qui se sont passées dans l'émission que vous avez beaucoup aimé et qui n'a même pas attiré votre attention. Winoma a été traitée de menteuse. On a douté de la moralité de Winoma, alors que Winoma est une fille parfaite. Vraiment, l'objectif de cette vidéo, c'est d'attirer votre attention sur ce qu'a fait la grande sœur de Clive, puisque beaucoup d'entre vous ne vont pas s'en rendre compte. Lorsque la grande sœur de Clive est quittée du Cameroun pour venir en Côte d'Ivoire, question de faire connaissance avec les filles, elle a commencé par échanger avec Winoma, et vraiment, l'attitude qu'a eue la grande sœur de Clive m'a beaucoup fait mal. Winoma est une fille sincère et vous savez très bien dans la vie, lorsque vous ne volez pas et qu'on vous traite de voleur, c'est où ça fait mal. Mais si en réalité vous volez et on vous traite de voleur, vraiment même l'honnêteté intellectuelle voudrait que vous vous taisez. Cela ne doit pas vous faire mal parce que c'est la vérité. Voilà Winoma qui vient alors et répond à toutes ces questions et vraiment, Winoma est prête à se plier à toutes les exigences de Clive après le mariage. Je dis bien, même sans hésiter, elle a dit qu'elle était prête à déménager de la France pour venir s'installer au Cameroun. Question pour elle juste qu'on la laisse 7 mois pour finir ses études. Et Clive lui-même est tombé d'accord même sur un an. Elle était prête à tout. Vraiment, voilà la grande soeur de Clive qui arrive et Winoma pose les mêmes doléances. Elle aime tellement Clive. Et comme elle aime tellement Clive, elle est prête à s'installer au Cameroun juste le temps pour elle de s'apprêter psychologiquement, mentalement et tout, et elle s'intègre à ce nouveau milieu. Malgré le nombre d'enfants qu'on la torpille avec. Mais quand elle finit l'échange avec la grande sœur de Clive, elle traite Winoma de menteuse. C'est pas possible. J'ai l'impression que peut-être au Cameroun, le mariage est devenu quoi? Dans le mariage, il faut s'adresser aux gens n'importe comment. Winoma de menteuse. La fille la plus sincère depuis le début de l'émission. Mais la grande sœur de Clive dit que généralement, elle accepte tout. Ça veut dire qu'après le mariage, elle va encore poser certaines conditions. J'ai l'impression que la grande sœur de Clive même n'est pas mariée. Elle ne sait pas ce que c'est que l'amour. Lorsqu'une fille aime, elle est prête à tout. Elle est prête à abandonner même son travail, tout, pour aller rejoindre l'homme qu'elle aime. Mais la grande sœur de Clive juge plutôt que Winoma devait être du genre, elle refuse, elle fait la tête, elle fait la têtutesse pour qu'elle comprenne que c'est la femme de Clive. Ok, là c'était l'analyse de sa grande sœur, il n'y a pas de problème. Mais le fait de traiter Winoma de menteuse ou bien de malhonnête intellectuelle, c'est ça qui fait mal. Elle était libre de dire, chez nous, dans notre famille, on ne te veut pas. Et puis elle n'a pas géré les problèmes de famille avec son frère comme d'habitude. Mais le fait de traiter Winoma de malhonnête intellectuelle dit qu'après la signature de l'acte du mariage, elle doit changer d'avis. Ça, c'est traiter Winoma de menteuse et de malhonnête intellectuelle. Si ce n'est pas le cas, vraiment, dites-moi aussi. Dites-moi, oh, Winoma ne mérite pas ça. Si je ne faisais pas cette vidéo, je n'allais pas être tranquille. Winoma ne mérite pas ça. Winoma est une fille bien. Et maintenant, je commence même à applaudir petit à petit parce que Winoma a été éliminée. Pourquoi est-ce que j'applaudis? Installez-vous, je vais vous expliquer. Tel que je vois la famille de Clive et son entourage, Clive veut plutôt une femme de l'époque antique. Clive veut une esclave qu'il doit acheter. Puisque même dans les échanges, même dans les négociations, Winoma étant une fille très mature, a détecté que c'était comme si elle était une marchandise que Clive est en train de marchander. Clive, au fait, veut plutôt une femme de l'époque antique. La femme là qui vient à la maison, elle se lève le matin, elle prépare pour son homme, comme pour au travail, elle reste dormie, elle voit Novela TV, A+, et Canal+, et dès qu'on rentre le soir, elle masse son mari, elle se couche et dort. Clive veut plutôt de cette femme là. Clive veut, voilà le style de femme que Clive veut. Et c'est là-bas que j'applaudis même pour l'élimination de Winoma. Parce que imaginez-vous un temps soit peu que si Winoma partait s'engager dans ce genre de choses. Elle est jeune, elle n'a que 22 ans, elle est étudiante, elle a ses entreprises. Elle partait engagée dans ce genre de choses et que son avenir se retrouvait complètement foiré. Qui devait sortir perdant? Qui devait sortir perdant dans ça? C'est Winoma qui devait tout perdre.
Imaginez-vous une jeune fille de 22 ans bourrée de talent. On commence à dire, tu vas préparer pour mes 7 soeurs, tu vas préparer pour mes frères. Mais qu'est-ce que c'est que life? Toi, tu vas te marier parce que tu es l'aîné et c'est ta femme qui va préparer pour tes 7 soeurs. Clive, toi, tu es déjà grand. Voilà ta grande soeur. Il faut encore chercher une autre personne au Dieu qui doit venir préparer pour ta grande soeur. Mais il faut dire ouvertement que tu as besoin d'une esclave. Et Winoma n'est pas ce style d'esclave. Et c'est là où je vais encore te dire, Clive, que tu as raté. Parce que même parmi les filles que tu as sélectionnées, je ne vois aucune fille qui est prête à faire ce que tu veux là. Aucune fille, Clive. Tu as besoin d'une esclave. Tu es l'unique garçon parmi cette fille. Ça veut donc dire que normalement ta femme devait être une reine. Ta femme ne devait même pas préparer. Mais chose curieuse, tu dis qu'elle va préparer pour tes amis, pour tes sept soeurs, pour toi, ainsi de suite. Tu cherches une esclave, Clive. Et Winoma, Dieu est grand. Dieu est grand. Parce que si tu partais dans la famille là au Cameroun, tu allais beaucoup souffrir. Tes ambitions allaient tomber dans l'eau. Vraiment, bon vent à toi, Winoma. Retourne en France, continue tes études et bon vent à toi. Clive est en deçà de toi. Tu es au-dessus de Clive. Vraiment, laisse-le continuer. Tu es au-dessus de lui.